Qui achète encore des CD pour écouter de la musique une fois qu'on a essayé le streaming? C'est vrai. Ouais, difficile quand même de faire machine arrière. Moi, c'est vrai, difficile de faire machine arrière avec un abonnement à 10 euros. Vous avez accès en illimité à des dizaines de millions de titres. Donc forcément, ça fait envie. Comment faire son choix parmi les nombreux acteurs sur le marché? Justine Fontaine nous aide à y voir plus clair. Tony est un passionné de musique. Depuis plusieurs années, il utilise ce site de musique en ligne pour écouter et découvrir des artistes. Partout où je suis, dans mon lit, dans le métro, on peut l'utiliser sur l'ordinateur, on peut l'utiliser par application sur smartphone. Ouais, c'est vraiment une question de pratique. Deezer, Spotify, Apple Music ou encore Amazon, tous ces sites proposent de la musique à écouter en illimité, avec ou sans internet. Alors, comment choisir? Si on cherche vraiment le côté exhaustif, on va aller se tourner vers Apple Music, vers Spotify, vers Deezer, vers YouTube Music, qui ont des catalogues extrêmement fournis. On va retrouver évidemment tous les artistes du moment, mais aussi de plus en plus des artistes classiques, du jazz, etc. Si on recherche avant tout la qualité audio, par exemple, on va se tourner vers des sites comme Qobuz, comme Deezer, qui proposent des offres avec des fichiers audio de meilleure qualité. Côté tarif, la plupart des sites proposent les mêmes offres. Un abonnement à 10 euros par mois pour une personne et une offre famille à 15 euros par mois pour pouvoir se connecter à plusieurs. La plupart de ces services sont consultables gratuitement en échange d'écoutes de publicité. Et lorsqu'on souscrit un abonnement payant, à ce moment-là, on n'a plus de publicité. Pour le consommateur, aujourd'hui, c'est une offre fantastique. À 10 euros par mois où on a accès à un catalogue énorme en qualité correcte. Il n'y a pas vraiment de piège. Ces offres, elles sont sans engagement, donc on peut se désabonner quand on veut. Un Français sur trois écoute de la musique grâce au streaming musical.